Le Cameroun n'est pas paralysé. Laissez-moi continuer. Il n'y a pas de problème anglophone. Il y a tout simplement une question anglophone. C'est la question anglophone. Ils ont tué une infime minorité. Ils demandent l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Ça n'a rien à voir avec un côté qui n'est pas Mago. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. Que le gouvernement mette en place des mesures répressives fortes. L'intellectuel qui ne connaît rien. Comme mon propre père. C'est pour ça que je souriais. J'ai eu cacao hier. Quand quelqu'un n'est pas ton père, ne dis pas que c'est ton père. Il y a des préalables. Oui, ça va. Vous pouvez toujours rêver. Ce que vous dites est une ineptie. Au lieu que les gens écrivent, et on crie pour le bien. Moi, je reste comme ça, je ne comprends pas. Pourquoi? Il faut aider le chef de l'État. Parce que je vois les anglophones, même chez nous ici, hein, qui sont contents que non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils changent les vestes comme une femme change les slips. Même les maisons des ministres ont été visitées. Quand il y a élection, s'il y a un bulletin de l'UNDP, le chef va même fouiller que qui est-ce que ce n'est pas le voisin là. Le patriotisme est une vertu que certains pourraient trouver passéiste, mais ce serait à tort. C'est un problème. Mais il y a également les jalousies exogènes.